Cyclope, tu as fini ton festin de chair humaine, désaltère-toi. Je t'apportais ce vin dans le but avoué d'obtenir ton hospitalité. Tu as trop de bonté, c'est à moi que tu l'offres. C'est peut-être une ruse. Bois-en donc le premier. Pas, verse encore. Entends-tu? Redonne-moi de ton vin. Tu as gagné le présent que l'on réserve aux autres de passage. Il n'ira pas dire après ça que je fais fi des lois traditionnelles de l'hospitalité, ni que je ne respecte pas les dieux. Quel est mon nom le plus célèbre, Polyphème? J'accepte de te le révéler, mais après tu me donneras ce que tu m'as promis. Écoute-moi. Parle. Je m'appelle... Personne. C'est mon père qui m'a nommé ainsi, et mes compagnons aussi me nomment Personne. Personne? Tu seras le dernier à te faire dévorer. Mangerai d'abord tous tes compagnons. Ma façon, à moi, de te remercier, mon hôte. Hein? Vengez-moi aussi nos compagnons.
Au secours, frère Cyclope, aidez-moi! On me tue! On me tue! Ils vont être nombreux à le secourir. Notre tentative n'a pas servi à grand-chose, Ulysse. Ils accourent. C'est notre fin, compagnon. L'avoir rendu aveugle et être condamné. Quel destin pitoyable. Nous avons du moins vengé nos compagnons. Oh, aidez-moi, frère Cyclope. Allez, au secours. Qu'y a-t-il, Polyphème? Dis-nous ce qui te cause tant de douleur et tant de peine. Pourquoi t'es-tu réveillé? Peut-on voler ton troupeau? Quelqu'un veut-il te tuer? Oui, c'est personne. Personne en veut à ma vie. C'est personne. Si donc personne ne te fait de mal, ton malheur vient du grand Zeus. Et nous ne pouvons t'aider. Recommande-toi, ton père. Poséidon lui tes bras. La ruse du